Avec cette chaleur, rien de tel pour les chanceux qui sont en vacances que d'aller chercher la fraîcheur en altitude. En Auvergne, Nathalie Chiesa et Patrick Delanne ont pris la route des volcans de Volvic et ils vont croiser des randonneurs ou plutôt des trailers très différents. Regardez. Des volcans et des hommes. En quelques années, l'Auvergne s'est imposée comme le paradis des trailers. Ces coureurs à pied avides de grands espaces et de liberté. Parmi eux, ce matin, au départ de la course, Charlie Bancarel, 88 ans. Très vite, l'octogénaire suscite l'admiration. Vous avez quel âge ? Ah ben moi, ça me fait 88 ans. 88 ans et vous faites le trail de 15 km ? Monsieur, oui. Comment ça se fait que vous courez à cet âge-là ? Donnez-nous la recette. Alors je leur réponds, dans quelques jours, je vous la enverrai, je vous le marquerai sur un papier. Je trouve admirable parce que, à son âge, avoir la forme comme ça, c'est super. Au-delà de l'exploit sportif, beaucoup sont présents pour traverser des paysages auxquels ils n'ont pas forcément accès le reste de l'année. Une façon aussi de célébrer les 40 ans du parc national des volcans d'Auvergne. Les trailers, aujourd'hui, ce sont des gens qui courent de plus en plus, de faire des kilomètres, des dénivelés, etc. Nous, on a voulu revenir à l'origine. L'origine des trailers, ce sont des gens qui courent, mais qui découvrent en même temps un paysage, des hommes, une culture, un patrimoine. Merci beaucoup. À regarder ses mollets, on a du mal à y croire, mais avant 50 ans, Charlie n'avait jamais fait de sport. Malgré la chaleur et les 800 mètres de dénivelé, ce grand-père originaire du Cantal a bouclé les 15 km de son trail en un peu plus de 2 heures. Juste avant lui, c'est Clément, 18 ans, le benjamin de la course, qui a franchi la ligne d'arrivée. C'est extraordinaire, moi, je trouve. Continue comme ça, si je pouvais faire.